summer. Pas ce fond, je suis tout simplement dans mon salon, j'avais envie de changer un petit peu. Aujourd'hui je vous montre mon petit rituel du soir pendant les vacances d'été, et si vous souhaitez également une morning routine, n'hésitez pas à me le dire en likant la vidéo. Et voilà, je vous laisse tout de suite regarder ma night routine. En général vers 18h je retourne une dernière fois dans la piscine pour me rafraîchir. Je me baigne pas très longtemps, juste le temps de profiter de ma petite boîte donuts, et ensuite je sors et direction la salle de bain pour enlever tout le chlore. Sous la douche, je commence par utiliser un gel douche à la pêche de Energy Fruit. Le parfum est très estival. Ensuite, c'est l'étape rasage pour les jambes et le maillot. J'utilise actuellement le rasoir Venus Swirl, que je trouve vraiment révolutionnaire. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous en parler un petit peu plus. Il épouse parfaitement les courbes du corps et c'est ce que je recherche vraiment chez un rasoir, pour le maillot en particulier. Il est équipé de 5 lames gilette Venus, d'un peigne micro fin et d'un ruban lubrifiant. Son originalité, c'est la petite boule argentée que vous voyez, c'est la technologie Flexibol qui permet de bouger la tête du rasoir facilement. Donc vous l'aurez compris, je m'en passe plus, je trouve simple à utiliser, rapide et surtout sans douleur. Ensuite, je passe au shampoing et j'utilise en ce moment toute la gamme aussi. Donc je commence par le shampoing, ensuite j'utilise l'après-shampoing et après je termine avec le 3 minutes Miracle Reconstructor sur mes pointes. Donc là, c'est vraiment le bon combo. Et en attendant que ça agisse, en général, ben, je chante sous la douche en écoutant la musique. Je pense qu'on est nombreux à faire ça. Et ensuite, je sors de la douche, je m'habille et j'applique le 3 Miracle Oil de Aussi sur mes pointes encore une fois. Pour le repas, ce soir-là, j'ai mangé avec 4 de mes amis. Et on a fait des choses vraiment simples à manger, pas très saines comme vous pouvez le voir. Et j'avais également fait une salade qui contient du quinoa, des tomates, de la menthe, de la feta, des fèves, enfin je mélange tout ce que j'aime. Après le repas, je me suis encore changée et on a décidé de prendre le dessert à la fête foraine de Palavas. J'adore l'ambiance là-bas, j'ai pris pour le dessert une barbe à papa et on a fait quelques attractions. Aux machines à pince et j'ai eu Judy de Zootopie avec seulement une pièce de 2 €, donc trop contente. Ensuite, retour à la maison et place à l'étape démaquillage, c'est pas la plus marrante. Donc je me démaquille avec la solution micellaire de L'Oréal, je fais les yeux et mon visage avec. Après, je nettoie mon visage avec ce produit anti-imperfection de Ducré et je le combine avec ma Brown Face. Donc j'adore cet appareil, ça élimine toutes les impuretés du visage en douceur et j'ai d'ailleurs plusieurs embouts en fonction de l'usage que j'en fais. Je me brosse bien sûr les dents et enfin, pour finir avec mon visage, je l'hydrate intensément avec le masque soin hydratant de Glam Glow que je mets à peu près 2 ou 3 nuits par semaine. Et je peux vous dire que le matin qui suit, j'ai vraiment une trop belle peau. Pour terminer ma night routine, ben je me mets en pyjama dans mon lit et je mets de la crème hydratante sur mes mains avant de checker une dernière fois mon portable pour dormir juste après. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi ce que vous faites le soir en été. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vais bientôt recommencer une vidéo « Je regarde vos chaînes YouTube », donc si vous ne savez pas en quoi ça consiste sur ma chaîne, je vous montrerai l'exemple dans la fiche des vidéos, je sais jamais de quel côté c'est. C'est prévu pour la fin du mois, donc pour apparaître dans cette vidéo, il suffit de remplir le formulaire que je vous mets dans la description de la vidéo. Par contre, comme la dernière fois, je vous préviens, je ne pouvais pas parler de tout le monde malheureusement, sinon la vidéo serait hyper longue parce que j'avais beaucoup de participation la dernière fois. Donc je vais choisir 6 ou 7 chaînes maximum et j'en parlerai.
Et si cette vidéo vous plaît à nouveau, bah, je recommencerai, etc. Donc voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous et à bientôt.